今天我们在这里呢，参加2018第三届世界杰出1000家餐厅的榜单揭晓盛典。这个榜单是由法国外交部旅游发展署主办，在全世界600多个杂志、报刊和各种榜单中啊，利用科学方法评选产生的。今年已经是第三届了，我们也希望借由这样的国际评选舞台，那么中国餐饮可以不断地立足自己的传统文化，不断地创新，不断地发展，不断地与国际饮食文化交流接轨。今天我们带来了扬州的淮扬美食，包括我们那个虾肉餐卷，还有我们的蟹壳黄烧饼，包括我们体现扬州的这个刀工的一些苏衣黄瓜，这个脆皮的藕片，都是我们扬州最传统的，包括还有一个那个水晶包跟翡翠烧麦，啊。Ce soir, c'est la sortie de notre classement de la liste. Vous savez, ce sont les 1000 meilleurs restaurants du monde, établis avec une méthode objective, puisqu'on consulte tous les guides. Et donc, le palmarès ce soir, le premier pays à sortir, celui qui a le plus de représentants, c'est la Chine. Ah oui. Ensuite, 135, ensuite le Japon, et en troisième, la France. Prépondérante pour renforcer l'attractivité de notre pays, c'est pourquoi j'ai plaisir à3月的victoire，这是中国的剪纸，上面有我家乡的山水，还有蓝莓籽。这就像我们现在中国的工匠精神一样，我们希望能够传承不忘本，创新不守旧。